La montée au rocher du Panduf. Je sais plus marcher sans les bâtons. Oui, à partir de là, oui, c'est juste la route. Ça va déjà mieux là. Ouais. Magnifique, hein? Dommage qu'il passe au soleil, mais une couverture superbe. Sapin épicé, hein? Voilà, t'as bien retenu la leçon. Hein? J'ai bien retenu la leçon. Voilà. Ça va s'arrêter là, ça remonte un peu alors. Allez, Fred avec les raquettes là, c'est bon. Allez, Jean-Luc, Attention à vous. On va peut-être. Ah voilà Robert. Allez Robert. Allez Fred. Oh là là. Ah mais t'es pas prêt, Guillaume. J'ai pas eu votre... Voilà, ça crépite, on se prend rien à Cannes. Comme la Drosera rotolis, comme la grassette, qui en fait avale des petits insectes. Ils se nourrissent, c'est ma soeur. J'ai déjà appelé Jérôme, c'est bon. Avec le passage de la brèche de Rhône. Un peu comme dans les Pyrénées, il y a vraiment un U. Le U de la brèche de Rhône. Voilà. On revient du proche de nous, il y a un col là, en U. Ouais. C'est le col de la Rombière. Tout le col de Rombière, il y a un refuge aujourd'hui, c'est un ancien bureau. On l'aperçoit là-bas, au-dessus de la forêt, on voit un pignon. Il y a un chemin qui va. Ouais. Au-dessus de la forêt là, qui fait le mur. Ouais. On a un rocher là. Là, on a un rocher, on a un bureau. Ouais. Il y a une piste, on dirait une piste. Voilà, il y a un chemin qui monte. Voilà, c'est le bureau de Major Post, qui est un refuge aujourd'hui. Donc on repart du col de la Rivière, là, on va sur ce plateau là, qu'on appelle Côte de Neige, et on arrive à la pointe du Dentiste.
Le plus gris. Le petit pointu. Là-bas, c'est, oui. C'est ouais. Le grillounou. Le grillounou. Grillounou. Et là-bas, la barrière. Derrière. Là, là-bas, c'est, ça domine la vallée de la Jourdain. Il y en a qui vont parler hier du Chavarot. Oui, moi. Ah. Mais là-bas, t'as le Katchaï, le Cabrespide, tu vois, c'est la grande lignée du Chavarot là-bas. Et de ce côté, tu as, on aperçoit la... Et également ces rochers là qu'on appelle le puits du rocher, qui est également à 1820 mètres d'altitude. Donc, attrape-moi. Faire une petite vidéo.